Bienvenue à Rectum Coliseum. Wow, méga fer. Salut tout le monde. C'est Émile et Tristan qui est très joyeux. What's up? En cette nouvelle année, donc on vous souhaite. Il est sec, il n'y a pas d'allure. Donc, on voudrait commencer par vous souhaiter une merveilleuse année, plein de bonheur, de la santé et tout ce que vous voulez. Bon, t'es-tu prêt, Tristan? Toujours. Ben là, la fois, on va leur expliquer c'est quoi qu'on est en train de faire. S. Putain. Mais, Chris, attaque-moi pas, c'est un PVP après, gros. Ah, c'est vrai. Ok, il y a du Earth Region, c'est pas grave. On se map PVP que notre bon ami José Mario, le José Posé, notre portugais préféré, a fait. Ah, sticky fif! En tout cas, pis là, donc c'est ça. Donc c'est une map assez épique, vous allez voir. Notre ami qui est assez pro dans les maps et qui a du temps à appel. On est en vacances, on vous le rappelle. Donc nous on est encore en vacances, je sais pas si vous l'êtes encore, mais si vous l'êtes pas, ben. LOL. Alors c'est ça, donc j'espère que vous avez eu tout vos cadeaux. Puis c'est ça. Puis on vous rappelle que le tirage va se faire le 31 janvier. Donc, es-tu prêt? Oh, si je viens de baver sur le micro. Ça. Ok, est-ce que t'es prêt, Tristan? On commence donc. Quoi? Encore, attends, ok. 1, 2, 3. Go. Donc, vous avez. C'est quoi? C'est pas une course? Donc, vous avez vu, on commence avec 95$ et on a le choix d'acheter plein de petits trucs. Bien utiles et plus utiles les uns que les autres. Donc, je sais pas, il me reste combien, mais c'est pas grave. On va s'acheter des trucs. On va s'acheter ça. Ok, je peux acheter ça. On va s'acheter ça. C'est quoi sa potion splash? Je comprends pas, c'est quoi ces affaires? C'est une affaire que tu garoches puis ça fait du damage. Ça, j'ai assez de cash pour m'acheter ça. Ok. Je kiffe. Oh my god, posé. Donc vous allez voir, on va arriver sur une carte PVP. Il y a, donc. Il n'y a pas d'armure, c'est quoi la job? Oui, il y a une armure ici. Il y a une armure de cuir. Derrière toi ici. Ah, nice. Donc le but, ça va être de récupérer les citrouilles qui vont apparaître magiquement sur la carte avec un bruit de tonnerre pour nous signaler qu'une citrouille est apparue. Ah! Oh mon dieu, les dieux nous parlent! Oh my god! Donc, c'est ça, ça va être le signal, si vous le manquez. Il va y avoir 6 citrouilles qui vont apparaître sur la map, et le but, c'est de rapporter 4 citrouilles sur nos 4 totems, et bien sûr, se tuer entre-temps. Non, j'ai pas accès à cette commande. Bon, ben j'ai plus assez d'argent, Tristan. Est-ce qu'on commence ça? Non, je suis pas prêt. Clac, clac. Ça fait combien de puts? Je pense que je suis correct. Là, toi, t'as acheté quoi exactement? Ah, je te le dis pas. Ben, la demande. T'es-tu prêt? Attends. Est-ce qu'on peut revenir quand on veut ici, puis genre. Quand tu vas mourir. Ok, on peut pas finir sinon. Non, on peut prendre les items de l'autre quand on meurt. Ah, c'est pas fun, nice. Okay. Parce qu'on a des coffres à notre spawn où on peut storer les items. Donc, est-ce que tu es prêt? Pas cool, mais ouais. Attends, faut juste que je sorte mes potions juste parce que j'ai aucune idée ils font quoi. T'en as acheté plein? Mais j'en ai acheté 4, là. Mais je suis juste. You don't have no money! Non, là, j'ai plus d'argent, moi je suis. Attends, juste. Moi je suis pour vendre. Lève. Possible. Fait que, genre, les potions, comment ça marche? T'es pitch sur le monde? Ou t'es bois, dépendamment, c'est quoi là la potion? Mais c'est pas potion splash, potion splash faiblesse. Mettons, genre, je fais Q puis ça le pitch dessus. Mais pas Q, tu fais l'action right click. En tout cas, t'es prêt? Ouais. Donc, moi, je prends le spawn 0. On prend la version feu sans chaud. Et le petit truc qu'on nous dit, c'est PVP dans une arène au centre d'un océan de lave. Ah, c'est slash money. Il me reste 3 pierres. Donc,
Pro tip, on commence, tu prends le spawn 2 et tout ça. J'ai pris spawn 1. Attends, potion de résistance au feu, j'ai pas pris ça, moi. Oh, t'es pas obligé de le prendre, fuck that, viens. Parce qu'il dit que c'est OP, fuck you, je vais le prendre, je sais que tu l'as pris, toi. Okay, c'est sûr qu'il l'a pris, c'est sûr qu'il l'a pris, Steph. Bon. Il y a de rester, bitch. Huzzah! Est-ce que t'es prêt, Tristan? T'as pris spawn 2. Je vais me demander si c'est utile ce que j'ai en ce moment sur moi. Je pense que je vais vendre une de ça. Ouais, non, je vais garder, ça va trop le rip. Ok. I'm ready to rock the show. I'm ready. Je fais quoi, des parties 1 hot? Version feu, version sans chaud. Version sans chaud. Tu prends spawn 2. Ok. Hazard! Donc, vous voyez ici les Nether Bricks, c'est nos totems où il faut mettre les citrouilles là-dessus. Donc, t'es prêt, Tristan? Mais comment? Ok, on les pogne, puis ça. Tu viens les remettre sur tes totems après. Ah, ok. T'es prêt? Go. Mais attends, mais. Les fuck. C'est pas compliqué, là. C'est quasiment compliqué. C'est... Yep. Yep. Oh. J'ai dit, tu vas tomber dans l'air, tu vas mourir dans l'atroce frange de sang. Non, parce que anyway, j'ai aussi acheté quoi contre le feu. Ah oui. Hop. Oh yes, bro-ass. Oh mon dieu, c'est tellement huge la map. Donc, Emile, si je... Allez, tu viens-tu? Bitch. Fucking Ender Pearls is for the fucking win! Salope! Mais tu parles de la vie, hein, en disant les Ender Pearls? Ouais, c'est pas grave. J'ai ma regenerating potion. Okay. Mais Josie, si tu m'entends, tu pourrais-tu me dire combien ça regenerate de cœur? C'est pendant sa tringer pendant un temps. Combien? Mais je sais pas, ça dépend de la potion que t'as prise. Chaque pagan Josie va nous dire. Il va te dire que c'est vrai ce que j'ai dit. Non, il va me dire. 8 ou 4 minutes. J'ai dit huge! Mais dépend de celle que t'as prise, là. J'ai pris la plus lead, tu fais. Oh shit, je suis la fois. Ouais, mais la plus lead. Et. Elle te heal moins. Il me semble qu'il n'y a pas. Tristan, viens, je vais te buter. T'es où là? Oh shit, tu t'es TP! Non, t'es pas! T'avais pas pris une potion de. Ender Pearl, c'est pas pour moi, je pense. Oh my god, une story qui vient d'arriver quelque part! Fuck you, José, pourquoi tu l'as mis là? T'es tellement gay, je t'ai, il va chier! Mais. T'avais pas pris une potion de résistance au feu? Mais faut encore que je la trouve, hein, la. Oui, la citrouille. Je trouve la tête. C'est pas de ma faute, je me suis garoché dans l'air. Okay. Lol. L'as-tu trouvé? Non. Oui, j'ai trouvé. Sauf qu'elle est loin. Et où? Toi, tu sais où en plus, je suis sûr. Donde est la citrouille? Ok, t'as. Pas sûr, ça se dit de même, là. Oh, tabac! Régénération! Comment ça marche? Ben, on se régénère, yes sir! Hey, ça va-tu arrêter de me feuter cette affaire-là? Fuck you! What you gonna do? Tirer les flèches encore? Quoi? C'est quoi pour tirer les flèches? Right trigger. What the f***? J'suis un vrai sniper. Ok, c'est bien hot maintenant. La fois ah, tu me donnes des flèches là. Allez, continue à me tirer dessus. Ok, go, je vais m'en viens de foncer dessus. Parce que si genre, je suis une place que j'haïs, je peux pas rien faire. Oh! J'ai pas bonné d'épée! Quoi?
T'as pas de point! Wouah, non, pas tout. Ok. Faut juste que je me fasse attention à distance d'abord. Ok, je me suis tout d'accord. Adieu, mon cruel! Bravo. C'est du méga PVP. Je veux dire, y'a squelette! Ah, y'a des. Ah, oh, y'a des mobs! Mais je pense que c'est juste exceptionnel qu'un squelette est spawn. Hein? Et là, j'ai encore plus de cash pour one shot, c'est que shit. De quoi? T'as plus de cash, hein? Ouais, je suis fucking riche. J'ai hacké le système. Ok. Bon, j'ai acheté 4 Diamond Swords. Oh mon dieu, une citrouille vient d'arriver. Faut que je la trouve. I've ouais. got to find it. Eh hey, mais t'as-tu trouvé la première? Ouais. Tu l'as avec toi? Ouais. Je vais la mettre sur mon totem dès que j'en ai l'occasion. Donc, comme vous pouvez voir, la potion de résistance au feu nous rend indestructibles. Sérieux? Au feu. Ouais. Tu l'avais pas pris, toi, tantôt? La première fois que t'es mort, là, j'ai pas compris. J'avais pas pris, finalement. J'avais C'est probablement une autre potion que t'avais pris. J'avais pas jugé nécessaire. I've got another pumpkin! Est-ce que t'es mad? You mad? T'es juste gay. C'est pas moi qui me suicide à profusion. Ma fausseté gay. Ok. Sac, je viens de tomber dans la lave, tabarnak. Mais t'es invincible. Je sais. Est-ce qu'on peut voir nos noms, mettons? Il est là. Toi, t'es derrière un bloc, puis tu vois ton nom en arrière. Ouais. Sauf si tu crouches. Ah, si tu vas pas vite dans l'air, ça n'a pas de sens. C'est un peu case. Mais faut que tu crouches, là. Faut pas que tu sois. Mais est-ce que la potion de résistance à lave, genre, me rend, te rend invincible à la source des épées ou les arcs à flèches? Ben là. Une potion de résistance à lave pour. Si j'ai mis à swim. Oh, what the fuck! Sam, come through that bitch! What you gonna do about it? No! J'avais pas vu! Nous! What you gonna do about it, bitch? No! 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 You seem mad, bruh! Attends, là, j'ai une. Ah, mais je fais comment, moi, pour avoir accès à mes autres totems plus haut? Tu sors, pis t'es mèche, je sais pas. Ah, t'as pris mes deux citrouilles, salope. Oh my god, là, y'en a full. What? Haha! Lol! What's wrong? T'es tombé dans le feu. Mais non! Le lightning m'a rip le ass! T'as-tu triché? T'as-tu volé? Mais je te volais peut-être un peu tantôt, mais là... Mais là... Si t'es tricheur, ça n'a pas d'allure! C'est mad, bro! ok, c'est chill. Au moins, José veille au grain. Ouais, José est fini. Non! C'est pas Popkins! Ça se fait, tu sais? Tu sais, ça en a combien? Ah, biche! T'es gay! Ça en a combien de ça, man? T'es tellement fag! Ah! T'es gay! Ah, c'est trop pire cette affaire-là, hein? C'est quoi, c'est ce flash? Il manque des citrouilles, là! Oh, je l'ai acheté puis je l'ai pitché, c'est ça. Moi aussi j'en ai pitché full, j'ai juste acheté ça, mais je les ai toutes pitchées en essayant d'acheter d'autres trucs. T'as acheté ça? Quasiment. Avec une épée et une armure. Mais fight! Ah,
I will put the pumpkin! No! Aw, Écoute, juste pour ton information, José, il y a une citrouille en jeu, je pense, en ce moment. Ah, oh, je vais le mourir. Ah, je te déteste. Moi, je m'arrête, José. Ok, mais on fait plus cette vidéo-là, moi, je quitte. Tu quittes, Rage quit. Je quitte cette vidéo-là, c'est parce que José. Mais t'as triché, Tristan. T'as triché? J'ai même pas triché. Oh my god, une citrouille. Mais oui, t'as triché. What the? Non, j'ai fucking pas triché. Mais là, tu l'as dit, genre, j'ai peut-être volé un peu. Volé, c'est un terme tellement. Générique. Ouh, mais fuck. Ah, je te vois! T'as volé! Toi aussi! T'as volé, gros fif! T'es tellement parce que je t'ai vu voler, je te courais après. José, il est découragé. Ok, là t'arrêtes de voler, Tristan. Aussi? Ben là, j'allais te pogner dans le dos, pis tu rape dans l'air, pis tu voles. T'as triché. T'as juste triché. Hey, pis là, il manque une citrouille encore. Ah, you mad? C'est pas grave, José, tu fais de la bonne job. Est-ce que t'as pogné la citrouille qui était genre. C'est le temps? Ouais. Ok, là, va falloir t'en mettre un peu plus, José, je pense, parce qu'on les, on est tellement bons qu'on les perd toutes. On est tellement forts. Oh non! Oh mon dieu, comment j'ai survécu à ça? Hop. Oh non! C'est une mauvaise affaire. Et hop! Non! Oui, oui. C'était legit, avoue que c'était pro ça, José. Je sais que tu l'as vu, c'était fucking beast. Dis oui. Oh yeah! Oh yeah! On va tellement pas vite dans l'air, ça a pas de sens. Oh my god, il y a des fucking lightning partout. Je pense que j'en vois une. Oh, oh my god! T'as tout j'atterris, José? Il y a sûrement José, il est partout et nulle part à la fois. José est partout, il est partout. Il empêche, mais. Je suis omniprésent. T'es un narrateur omniprésent. Wow. C'est ça que t'es. Ton cours de français est très utile. Oh non. Et Mills are super! Oh là là là, t'as tout! T'as tout gaspillé, what the fuck? Ah, parce que tu comprends pas mon nombre! T'en es combien? Beaucoup! NON! Yeah, j'ai tout pogné ton stuff! J'abandonne là, il a tout pogné mes citrouilles. Ça, c'est gay par contre, check Emile. Quoi? Check, pour rendre ça genre plus genre legit là, on devait, ça devrait juste être qu'une fois que t'as des citrouilles, tu peux pas les faire voler autant genre. Ça va faire ce mode de jeu là pour cette game là, pis y'a d'autres maps, inquiète-toi pas, on pourrait changer les règles. Je peux pas pogner mes items, José. Check ça, ils sont juste types, je peux même pas les pogner. Je bois mon sword, une citrouille, mon armure, pis genre. Mais Tristan, c'est que tu lag, c'est parce que je les ai toutes pognées, don't worry. Ah. Là faut que je trouve. Ah, je vois une citrouille. Ouais, je vais me suicider là-bas. Oui! J'arrive, petite citrouille. Inquiète-toi pas, papa est proche! Papa est proche! Bon, ben là, je lag en crise par contre, ça c'est pas cool. Là, je lag vraiment hardcore. Tristan, là, j'ai combien de citrouilles dans mon inventaire? Ben là, je lag vraiment, fait que c'est vraiment pas legit. Ben c'est pas grave, tu pourrais pas m'en empêcher, anyway. Peut-être. T'en as 4? Et de 1? Et de 2? Et de 10! Ah, c'est que tu triches! Hey, il meurt pas! Il meurt pas! Il est imbécile! Ok, mais Tristan, s'il te plaît, c'est pas ton spawn! C'est pas ton spawn!
Oh my god. Il a jamais mis 4. Oh, José, non! T'es tellement été! Non! Ok, fuck that, je quitte. Fais chier. Parfait. Oh, mais là. Oh my god! T'es sûr que t'es mort, Tristan? Ah, il a quit pour vrai. Je vais finir. C'est pas de la triche, c'est de la stratégie. Mais non, hein. Une chance qu'on se dit avant de commencer, le spawn 1, c'est le spawn des 1000. Le spawn 2, c'est le spawn de Tristan. Vous inquiétez pas, Tristan, j'ai pensé de le faire, mais je me suis dit, oh non, c'est de la triche. C'est pas legit. J'ai pas pensé.